Bonjour à toutes et bonjour à tous. Chers membres bénévoles des associations malestroyennes, chers collègues du conseil municipal, Alain qui est responsable des services techniques, chers malestroyens, chères malestroyennes, mesdames, messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici parmi vous aujourd'hui pour cette édition 2024 du Forum des associations du pays de Malétroit. Je tiens tout d'abord à remercier les représentants des associations pour leur engagement et leur enthousiasme. Sauf à nous, nous accueillons plus de 71 associations, soit 11 de plus que l'an dernier. Ce chiffre témoigne de la vitalité de notre tissu associatif et de l'attractivité de Malétroit. Les associations jouent un rôle important dans le dynamisme de notre ville. Toutes leurs activités et leurs actions sont précieuses pour le bien-être, le développement et l'épanouissement personnel de chacun, mais aussi pour le rayonnement de notre cité millénaire de Bretagne. C'est pourquoi je tiens aussi à saluer notre réserve communale de sécurité civile, dont l'assistance et l'efficacité contribuent au bon déroulement des nombreux événements que vous, association, organisez tout au long de l'année. Elle vient en renfort de la police municipale. Je les remercie et je vous remercie chaleureusement. Vous le savez, avec mon équipe, nous avons à cœur de soutenir la vie associative. Un exemple concret de notre engagement est l'ouverture progressive de la nouvelle maison des associations située rue des Écoles. Ce lieu d'une quinzaine d'associations est en train d'investir depuis le mois de juin, est un véritable espace dédié à vos activités. Son inauguration aura lieu prochainement et j'espère que ce lieu deviendra un espace de partage, de convivialité et de projets communs. Avant de conclure, permettez-moi de remercier l'ensemble des services municipaux, des services techniques et administratifs, notre éducateur sportif et mes collègues, et notamment Carole Blanco-Hercela, adjointe à la jeunesse et au sport, pour l'organisation de ce forum 2024. Je remercie aussi mon assistante qui est devant moi et qui se cache, n'est-ce pas, qui œuvre beaucoup et qui a beaucoup œuvré pour la réussite, et on le constate, de ce forum édition 2024. Je veux dire, Anaïs, merci de la part de l'équipe aussi municipale. Mesdames, messieurs, chers amis, merci pour votre présence. Et plus largement, merci pour votre engagement, votre dévouement dans vos clubs, dans vos associations, mais surtout tout simplement au service de l'ensemble des malestroyennes, des malestroyens et des habitants du pays de Malétroit. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente saison 2024-2025 et une longue vie à vos associations
et à tous vos adhérents. Vive les associations et vive Malétroit. Merci.